Yo les gars, c'est Enzio, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors désolé pour le setup, il est un peu catastrophique parce que je ne retrouve plus mon tabouret de d'habitude. Donc vous avez un tabouret noir et on le voit à moitié. Donc c'est un peu catastrophique. Mais est-ce que c'est grave? Pas trop. Du coup, aujourd'hui on va s'ouvrir une Pokébox de Clamiral d'Issui, Typhlosion d'Issui, Archiduc d'Issui et en bonus, une magnifique boîte de Sophora tournoi. Je crois qu'il y a 4 ou 5 boîtes de tournois comme ça, mais Sophora c'est l'une des plus belles, donc c'est celle-là qu'on va ouvrir. Alors on va ouvrir d'abord Archiduc. Hop, let's go. Hop les. Du coup elle est dans sa petite truc comme d'habitude. Hop, on récupère les boosters. Je vais le remettre à l'intérieur de la Pokébox. Comme ça, c'est parfait. Et puis je pourrai la sliver plus tard. Du coup on a quoi? Astre Radieux, Point de Fusion et Style de Combat. Ok, on va faire dans cet ordre-là. Hop. Allez, c'est parti les gars. Les boosters, ils sont un peu fripés. Hop. Du coup, je les ai eu en promotion, les Pokébox, pendant c'était les soldes, il n'y a pas longtemps. C'est peut-être encore les soldes, je sais plus. Du coup, je les ai eu à 19 euros chacune. Et il y en a une des trois, je crois que c'est la Clamiral, que j'ai eu à 17 euros. Donc très sympa. Par contre, le booster il ne veut pas s'ouvrir vu qu'il est un peu fripé. Hop, on va mettre les dents. Style de combat. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert de style de combat. Hop. Le petit code, je vais le poser de l'autre côté. Comme ça, c'est carré. Boum. Et c'est parti. Alors, bon, on va retourner direct. Je ne me rappelle plus c'est quoi la manipulation. Alors, Monorpal, Scorplane, Electek, Sétiflore, Archéomyr, Exagide. Oh! Oh non, Moustard, frère, je crois que je l'ai déjà en plus. Il est trop moche, ce pourri monsieur. Mais c'est une full art, donc je valide de baiser. Ok, donc c'était 1, 2, 3, 4 qu'il fallait faire. Ok, bah en vrai, c'est incroyable. C'est dommage que ce soit une carte de merde, mais c'est quand même une full art. Ok, ben je vais la poser sur la Pokébox. Hop. On continue avec Point de Fusion. Hop. Bon, les boosters, s'ils ne s'ouvrent pas, par contre, ça va m'énerver. Ok, c'est bon. Allez. Frère, si je ne sais pas ouvrir des boosters, la vidéo va durer 40 ans. Hop. Le petit code, je vais le mettre là-bas. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Énergie obscure. Pastille puissance, Darumacho, Hexadron, Lipoutou, Démanta, Larvibulle, je sais pas pourquoi il y en a Eagles, c'est vraiment des trous du cul, Kelorior, Lockpin et un Électrode tout classique. Ok. Bon, s'il y a des gens qui gueulent, les gars, on s'en fout. Vous connaissez, c'est la vie. Il y a des PNJ partout. Hop. Maintenant, on va attaquer Astre Radieux. Et ça, c'est des boosters un peu plus récents. Enfin, c'est quand même épée et bouclier, donc ça date. Mais c'est des trucs d'issui, etc. C'est incroyable. Ah, code blanc. C'est-à-dire qu'on n'a rien. C'est un peu triste, quand même. Énergie Metallico. Cré-Elf. Quilpic. Cormier. Simularbre. Magnéti. Tarsal. Farfuret de Issui. Feuforev. Typhlosion d'Issui. Incroyable. Reverse et un Paragruel. Ok, on en a encore un heureusement. Mais en attendant, pour l'instant, cette Pokébox, c'est incroyable. On a une full art, même si elle est horrible, c'est quand même très bien. Aïe aïe aïe, c'est dur, c'est dur. Oh, donc on va jouer avec les dents. Code noir. Code noir, est-ce que ça veut dire que c'est minimum une holo? Je crois que c'est minimum une holo. J'allais m'hyper pour rien, mais holo, ça m'intéresse pas trop de fou. Energio, Ferrisson, Fortifiant Obscur, Scalproie, Yanma, Oudhout, Krixik, Simularbre, Apitrini, Petite Reverse, et ouais, malheureusement une holo. Bon, c'est déjà bien. Ouais, non, c'est pas ouf en fait. À la limite, une petite ex, j'aurais dit pourquoi pas. Ok, bon, première Pokébox catastrophique.
À part le moustard, mais bon. C'est pas ce qu'on voulait. Hop. La deuxième, donc l'amiral. Hop. On va faire pareil, dans le même ordre. Style de combat en premier. Ah, celui-là, il a l'air de s'ouvrir un peu plus facilement. Enfin, il a l'air. Aïe, ouais, c'est trop dur. Ok, c'est bon. Hop. Code noir, mais je crois que ça veut rien dire dans cette collection. C'est à partir d'Astro Radio, je crois que les codes, ils marchent. Hop, c'est parti. Alors, attendez, bougez de là, vous. Sidra, Capturne, Rémoray, Mimantis, Ramolos, Férosinge, Hippotrempe, Groray et Floramantis. Catastrophique. J'ai un peu mal au dos en plus, là. Je suis assis n'importe comment. Mais bon, je peux pas faire mieux. Il y a encore un petit qui gueule. Il mérite des baffes, je pense. Hop. Ok, petit code. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Énergie, Psy, Récepteur, Feuilloutant, Damien, Zigzaton, Levenard, Goupix, Quillfish, Corraillon, De Galar, Serfrousse. Oh, j'avais cru que je voyais quelque chose. Bah, rien du tout. Hein. Nada. Attends, j'ai l'impression qu'il y a des toiles d'araignée là. C'est quoi ce bordel? Le tabouret, frère, il est poussiéreux. Je sais pas d'où il sort. Alors, j'en ai. J'ouvre avec les dents. J'espère qu'il n'y a pas de gens qui ont mis les boosters. Bon, je sais pas où. Ok, code noir. Un peu plus que Nelo, s'il vous plaît. Parce que pour l'instant, on n'a rien eu dans cette boîte. Donc pour l'instant, Archiduc qui gagne. Orsa Ring, Plumeball, incroyable, j'aime bien. Insécateur, Evoli, Scarino. C'est dur ça. Donc le cadrage est catastrophique. Bon, au moins une petite V. Archiduc V. On va la comparer, attendez. Hop. Bougez pas. Hop. On va la comparer vite fait avec celle-là. Ouais, elles sont différentes. Heureusement. Hein. Si ça aurait été les mêmes, on est relou, quoi. Donc je pense que c'est des vrais promos. On va regarder sur la Typhlosion. Ah, attendez. Hop, la technique des dents. Bon, là, je pré-shot code blanc. Voilà, c'était sûr. On peut pas avoir que des masterclass. Hop. L'énergie métal, on s'en fiche. Bon, celle-là, vas-y, j'enchaîne, parce qu'on sait qu'il n'y a rien. C'est chiant, en fait, parce que ça nique le spoil. Tu sais que t'as un code blanc, tu sais que t'as rien. Donc, ça nique ton spoil, en fait. Donc, c'est nul à chier. C'est pas grave. Donc, on continue avec celle de Typhlosion, la troisième. En attendant, celle-là, elle est catastrophique. On a eu au moins une petite V. La carte, elle est super tordue. Et du coup, ouais, c'est bien une promotionnelle. Hop. Les boosters sont là. Nice. On va faire pareil encore. Le même ordre. Let's go, baby. Oh, lui, il était compacté. Hein. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Vous vous dégagez de là, merci. C'est parti. Énergie plante. Du coup, j'ouvre les cartes par le bas, alors que d'habitude, je fais pas comme ça. Mais là, vu que le tabouret, il m'empêche dans mes mouvements. Luxio et... une petite holo catastrophique. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment des gens, quand ils ont une holo, ils sont en mode « Let's go, c'est mieux que rien ». Genre, il y a vraiment des gens comme ça. Moi, avoir une holo ou une rare, franchement, ça m'est égal. J'en ai rien à faire. Les holos, c'est vraiment... genre, c'est là pour essayer de te dire « Mais c'est mieux que rien ». Alors qu'en fait, non, c'est nul. Ils veulent te faire croire que c'est un petit peu cool, une holo. Chelour, ce, Lorpin, Flobio, incroyable Flobio, Brocélome, Ronflex, Frissonni, Fantirm, Makuhita, Toxizap, et... oh, catastrophique. Bon, on n'a rien eu dans les deux premiers boosters en loose. Il nous reste les deux astres radieux, et c'est là-dedans qu'on veut des trucs. Donc en réalité, est-ce que c'est pas tant mieux qu'on ait rien eu dans le reste? Bon, sauf si on n'a rien là aussi. Allez, code noir s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
Ouais, déjà, j'arrive pas à le sortir. Oh, je savais, je savais. J'en étais sûr, j'aurais pas dû ouvrir ma bouche. 1, 2, 3, 4. Bon, du coup, vas-y, les gars, on se le fait en vite, Zef. Chou, gros drive, machin, zub, zub, doubli, boubli, boubli, blou. Et un chlorobule, reverse. Hop. Et le dernier. Au final, la Tiflosion, ça sera peut-être la pire boîte, alors que c'est le meilleur Pokémon. Même si l'Archiduc, pour moi, c'est le plus stylé. Mais la Tiflosion, c'est le préféré de tout le monde. Code noir, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, yo, yo, yo. Vas-y, les gars. Hop, on se le dégage, celui-là. Oh, une Vestar. Stylé, ça. Non, j'avoue que c'est de la merde. Bon. Du coup, on a eu rien du tout. Mais quand je vous dis rien du tout, c'est rien du tout dans celle-là. Ok, bon. Les trois boîtes ont été catastrophiques, c'est pour ça qu'elles étaient en promo. Et maintenant, on passe à la boîte de Sephora. Hop. Un peu de la merde pour ouvrir. Hop. Ça, ça ira à la poubelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dedans? Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Ah, il y a vraiment beaucoup de choses, what the fuck. C'est une Elite Trainer Box, mais en minuscule. Donc, on a des petits protège cartes. Attendez, je la remets dedans en même temps, vous inquiétez pas. On a ça. On a la promo qu'on va regarder juste après. Le jeton, je vais le laisser dedans. On a ici quoi? Les boosters. Oh, il y en a incroyablement plein. Attends, mais c'est une dinguerie ces trucs. Et on a quoi? Attendez, il y a un autre truc ici les gars. J'essaye de pas tout péter. C'est des jetons pour jouer. J'en ai qu'un. Non, il y en a deux, mais je crois qu'il y en a un. Il est dans le mauvais trou là. Attends. Voilà. Il s'est trompé de trou le poteau. Ok. Et la boîte, elle est incroyable. Elle est en, vous savez, en une sorte de petit plastique. Hop. Ok, bah je referme la boîte. Et puis, let's go. Du coup, la promo, voilà à quoi elle ressemble. Plutôt cool en vrai. Donc, j'ai bien fait de prendre la boîte juste pour ça. Et en plus, on a un milliard de boosters. Bon, ils sont paquets à la Zub. On a tempête argentée, astre radieux, star étincelante, point de fusion. Bon, on va ouvrir dans ce sens-là. Comme ça. Mec, les boosters, c'est n'importe quoi. C'est des carrés. C'est une dinguerie. Comment c'est possible de faire ça, sérieusement? C'est n'importe quoi. Ils sont compacts, ils sont tout froids. Ça se trouve, ils ont été manipulés par des gens. Ils ont été recellés, gros. Oh, c'est une dinguerie. Hop, les petits codes, je les garde comme d'habitude. 1, 2, 3, 4. Et c'est parti. Énergie feu. Feuilloutan. Damien. Passe de combat VIP. Galvaran. Maril. Miaous. Mousmina. Qu'est-ce que je raconte? Et une petite V. Ok. Un petit Genesect. Bon, j'espère que ça va pas être le seul truc de la vidéo, s'il vous plaît. Parce qu'on a commencé avec du lourd, le petit moustarde. Et après, c'est devenu catastrophique, de pire en pire. Avec des boosters compactés en plus. Si jamais il y a des gens qui ont déjà ouvert ce genre de coffret, est-ce que les boosters sont compactés pour tout le monde? C'est vraiment moi, ils m'ont vraiment pas respecté. Ok, code blanc. 1, 2, 3, 4. Code blanc, c'est ce que ça veut dire. Boum. Ça veut dire, on va vite. Chidou. Hop. On continue avec trois tempêtes argentées maintenant. Donc les boosters principaux de cette coffret, cette boîte, ce truc, tournoi premium, je sais pas quoi. Hop. Code blanc encore, mais c'est une blague. Je crois vraiment que c'est fait exprès. Hein. Ça se trouve, je me suis fait douiller, mec. Il y a quelqu'un, il a retourné mes boosters. Ok, clic, 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 clic. Hop, le deuxième. Allez, là, prouvez-moi que j'ai tort et donnez-moi une carte de fou. Une petite full art. Encore un code blanc. Ok, lourd. Petit truc Vestar. Sirena. Ouais. Bayard. Hop. Désolé si l'ouverture est nulle, mais bon. Code blanc, les gars. Booster compacté, j'y peux rien, moi. Hop. Si le titre de la vidéo c'est code blanc encore. Si le titre de la vidéo c'est code blanc, non. En vrai, je serais capable de faire ça. Non, je pense que le titre ça va être un truc genre en mode ouverture incroyable et tout. Mais s'il y a marqué ça dans le titre, c'est que il va y avoir du lourd dans les deux derniers boosters. Sinon, ça veut dire que
le titre, j'aurais mis un truc genre je me suis fait douiller. 100 euros pour ça? Non, sérieux. Ok, code noir. Là, juste une gold, ça me ferait plaisir. En fait, c'est le seul truc pour rattraper l'ouverture. Noir fang et flèche, furulé, glonglonglon, ponita, feu forêt, barloche, scalpion. Ah, j'ai retourné la carte. Et avant de regarder la carte, les gars, hop, je vais retourner ici. On va s'ouvrir le dernier booster parce que je sens que c'est un code blanc. Comme ça, on finit la vidéo sur l'ultra. Sauf si c'est une holo et j'ai le seum. Hop. Ouais, voilà, code blanc, je savais. Du coup, on finit sur un truc un petit peu positif. Hop. Bon, on s'enchaîne ça. Boum, 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 boum. Ok, nul. Bon, vous êtes prêts, les gars? Hop. Dis-moi que ça brille un minimum. Oh, vas-y. Allez, hop. La vidéo s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a pas du tout plu. Allez, ciao. C'est mort pour moi. Faites ce que vous avez à faire. Abonnez-vous, le pouce bleu et tout. Mais moi, c'est ciao.